से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। C'est parfait? Parfait. Allez. Bijoy, ta fille recevra un prix Nobel. Tu devrais vraiment être fière d'elle. Asha, penses-tu que je ne le suis pas? Papy, t'as pas félicité maman. C'est pas juste. Félicitations, ma fille. Je suis fière de toi. Merci, papa. Et moi, je suis fière de toi, papy. Ma chérie, tu sais, tu es très intelligente, reste sage, tu comprends? Ta mère est une grande dame maintenant. Elle n'a plus besoin de moi. C'est une femme courageuse. Papa, nous aurons toujours besoin de toi. Ma fille, n'oublie jamais une chose. Les ombres du passé finissent toujours par envahir le présent. Ne permets surtout pas que ton passé te hante. J'ai perdu la foi en cette ville et en ses habitants aussi. Alors sois prudente. Bijoy, nos filles sont très courageuses et très fortes. Et j'ai pleinement confiance en elles. Elles sont dignes et vaillantes toutes les deux. Amusez-vous bien. Bon, ne vous battez pas trop tous les deux, hein. Et si papy te crée des ennuis, tu m'appelles, Asha. Est-ce que c'est compris? Oui, maman. Dépêchez-vous, sinon vous serez en retard pour le vol. Vous êtes prête, mademoiselle Bosé? Oui, docteur Bosé. Très bien, allons-y. Entre. Maman, papa, je réserverai vos billets dès que la maison sera prête. D'accord? À plus tard. Au revoir. Au revoir. Soyez prudente. D'accord. Maman, regarde, il y a des taxis qui sont de couleur verte ici. Et maman, regarde un métro. À quoi est-ce que tu penses? À rien. Maman, qu'est-ce qu'il y a d'autre à Delhi? Il y a plein de choses ici. Des monuments tels que l'India Gate, le Red Fort, le Qutub Minar aussi, sans oublier le temple de Lotus. Est-ce que Delhi est une grande ville? Très grande. Tu vas voir, nous allons passer du bon temps, juste toi et moi. Maman, où est-ce qu'on va, dis-moi? Ça, c'est une surprise, mademoiselle Suhana Bose. Super! वक्त ने किया क्या हसी से तुम रहे न तुम हम रहे न हम बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे तुम भी खो गए हम भी खो गए एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हसी से तुम रहे न तुम हम रहे न हम Maman, bienvenue à Delhi. À toi aussi.
Maman, dis-moi, où est-ce qu'on va? Désolée. C'est ça la surprise? C'est ma nouvelle maison? Oui. Voilà ta surprise. Cette maison est vieille. Elle a juste un peu été retouchée. C'était ça, la surprise. Mais maman, t'as pas l'air contente de me faire cette surprise. Pourquoi est-ce que tu pleures? Ce sont des larmes de joie. Vraiment. Tu sais, cette maison avait été construite par tes grands-parents. Mais entre-temps, quelqu'un s'en est emparé. Et qui est-ce qui leur a enlevé leur maison? Ça doit être vraiment une vilaine personne. Il est clairement écrit que cette maison a été achetée par les entreprises d'Ishwari. Maintenant, elle nous appartient. Si quelque chose arrivait à la mère de Dev, alors vous verrez vraiment de quoi il est capable. C'est ton papa. Maman, est-ce qu'on habitera ici? Oui, nous habiterons ici. Mais comment est-ce qu'on va faire? Parce que cette maison est toute vide. Elle est toute vide? Bien sûr que non. Cette maison est remplie de bons souvenirs. Tu veux voir? Oui. Viens. Eh bien là, c'était notre table à manger. Nous dînions ici et ton oncle Sohrab, eh bien il se faisait toujours gronder. Rien n'a changé alors. C'est exact. Allez, on continue. Ici, c'était notre cuisine. Ta mamie cuisinait des plats vraiment délicieux. Tout juste là, il y avait un canapé sur lequel ton papy s'asseyait pour lire les journaux. Il faisait toujours des commentaires. Mais Asha, qu'arrivera-t-il à ce pays? Exactement comme ça. Maman, pourquoi est-ce que tu ris autant? Pourquoi? Est-ce que je ne suis pas belle quand je ris? Ah si, tu es très mignonne et très drôle à la fois. Exactement comme... Comme quoi? Comme un lapin. Cette façon de froncer les sourcils ne te va pas, mon lapin. Maman, c'était une blague. Une minute, je reviens, d'accord? Dev. Mon oncle, tu es venu! Oui. Golou! Oh! Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Tu devrais rester ici avec nous, mon oncle. Et pour toujours! Oh, Dev, mon fils! Mais où est-ce que tu étais? Est-ce que tu peux t'imaginer? Je me faisais vraiment du souci pour toi, tu sais. Comment aurais-je pu savoir que tu t'inquiétais pour moi? Je n'ai reçu ni message, ni appel. Je sais très bien qui peut s'inquiéter pour moi ou pas. Je sais tout sur tout le monde. Je suppose que tu as aimé ton collier en diamant? Oui, Dev, il est très joli. Merci. Tu dois être fatigué, n'est-ce pas? Va donc te rafraîchir. Je vais te servir à manger, mon fils, d'accord? Merci, ma tante, mais je n'ai pas faim. Et mon oncle? Mon oncle? Est-ce qu'on peut aller manger une glace avec ta super moto? Pas maintenant. À la place, on va jouer au cricket. Ah oui, mon oncle, t'es vraiment le meilleur. Allez, va te préparer, je te rejoins. Elena. Oui, Dev.
photos sont vraiment magnifiques. Merci, Dev. Elles datent de la semaine dernière. Mais celles d'aujourd'hui sont encore meilleures. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à Vicky. Surtout, n'hésite pas. J'apprécie vraiment. Merci. Où est maman, ma tante ? Où veux-tu qu'elle soit, mon fils ? Elle est dans sa chambre. Elle y passe toutes ses journées et elle ne parle à personne. Elle a fait de sa propre maison une prison. Et puis toi, on ne te trouve nulle part. Dev, tu aurais dû donner des nouvelles. Tu aurais dû appeler ta mère au moins une fois. Navdeep, nous ne pouvons pas briser ce mur parce qu'il y a une poutre. Oui. Soit. Du pain. D'accord, mais nous pouvons avoir d'autres options. Vous ferez uniquement ce que j'ai dit, c'est tout. Et je ne veux pas changer la structure de cette maison parce qu'il y aura beaucoup de travaux. Je ne veux pas être piégée. Du beurre ? Confiture ? Les deux. Certaines serrures ont vraiment beaucoup vieilli. Envoyez-moi des suggestions et je verrai bien. D'accord. Tu veux du fromage ? Non, pas de fromage. D'accord. Allô ? Oui, Sohrab. D'accord, envoie-moi le plan d'affaires par mail. J'y jetterai un petit coup d'œil. Très bien. C'est bon ? Super ! Je veux aussi les échantillons d'images des sols et des murs. Envoyez-les-moi par mail. Je vous appellerai, d'accord ? Soit, nous allons être en retard. Allez. Dépêche-toi. C'est fait ? Mets-le dans le sac. Mets-le dans le sac. On y va. Où sont les clés ? Tu cherches quoi, maman ? Je ne trouve pas les clés de la voiture. Elles sont là. Eh ! Allons-y. Allez, on y va. Dépêche-toi. Je dois rapidement te déposer à l'hôtel. Ça va, Dev. Peu importe où je vais, sois tranquille. Et puis tu vois bien que j'ai fini par revenir. Rentrer à la maison doit être ton souhait, pas une obligation. Si l'un d'entre nous t'a manqué, tu as eu raison de rentrer à la maison. Tu as raison. Je dois écouter mon cœur. Tu sais, tout a changé maintenant. Impossible pour moi de rester à un seul endroit. Je suis toujours en déplacement. Mais les souvenirs finissent par m'attirer vers toi. Maman, les gens pensent sûrement que je gère partout, inutilement et sans aucun but. Mais non, tu es l'étoile qui me guide. Tu me montres toujours le bon chemin. C'est pour ça que tout va aussi bien. Personne ne manquera, jamais, de quoi que ce soit dans cette maison. L'avenir de chacun est assuré ici. J'ai assumé toutes mes responsabilités. Je veux vivre comme je le souhaite maintenant. Sans aucune pression, ni stress, ni inquiétude, selon ma volonté et sans condition. Tu comprends ? Je comprends. Tu es totalement libre. Et cette étoile ne te montre pas seulement le bon chemin, mais elle réalise tes rêves. Tu te souviens ? Quand tu étais plus jeune, je te disais toujours d'exprimer tous les désirs de ton cœur, tous tes rêves aux étoiles. Parce qu'elles écoutent tout. J'ignore ce que tu as demandé aux étoiles, ni ce qu'elles ont entendu. Mais tout ce que je sais, c'est que si tu es heureux, alors moi aussi je suis heureuse. Sonakshi est sûrement passé à autre chose dans sa vie. De nos jours, les femmes sont très courageuses. C'est elles qui prennent les plus grandes décisions. Et Sonakshi a été courageuse depuis le début. Elle n'a jamais fait machine arrière. On ne sait pas, peut-être qu'elle s'est déjà remariée. Je ne sais pas. Mais on n'en a rien à faire. Maman, je dois y aller maintenant. Golou est en train de m'attendre.
Maman, pourquoi on s'arrête ici? D-I-V-E-R-S-I-O-N. Ça veut dire quoi ce mot-là? Route déviée. Eh bien, ça signifie que cette route est fermée et que nous devons en emprunter une autre. Est-ce que t'es déjà passé par cette route avant? Bien sûr. Je sais parfaitement où cette route mène, ma petite chérie. Tournez à gauche, s'il vous plaît. Regarde, maman, elle est jolie, cette maison. Golou! Et mon oncle, où est-ce que t'étais passé? Tout est déjà en place, on peut jouer maintenant. D'accord, on y va. Fais voir ta patte. Waouh! Magnifique. Non. Maman, donne-moi ma patte, je veux jouer. Non. Elena, laisse-le jouer, enfin. Non, vraiment, Dev. Il joue toute la journée et il n'étudie pas. Et il ne me parle pas de l'entretien avec son enseignant, mais je sais tout. Il est vraiment nul. Il ne jouera pas du tout. Il doit étudier maintenant. Sinon, il échouera encore. Mais il n'a pas envie d'étudier. Pourquoi est-ce que tu l'obliges? Il pourra étudier après. Désolée, Dev, mais je vais devoir l'obliger à étudier ses leçons. Tu l'as beaucoup trop dorloté. Mais tu n'as pas assisté à la réunion des parents d'élèves. J'irai désormais dans son école. Qu'il y ait réunion ou pas. Si ça continue, tout finira vraiment mal. J'ai perdu ma famille tout d'un coup. Je ne veux pas perdre mon fils aussi. Ne dis pas de bêtises, Elena. Golo n'a rien à craindre tant que son oncle est avec lui. Je n'accepterai pas qu'il passe son temps à jouer et à se remplir le ventre. Dev, il doit étudier. J'insiste vraiment. Elena, arrête. S'il n'a pas envie d'étudier, ne l'oblige pas. Il a le droit de faire ce qu'il veut après tout. Là, maintenant, il a envie de jouer. Absolument. Dev a tout à fait raison. En fin de compte, les sœurs Bosé ne me comprendront jamais. Elles penseront toujours que j'ai tort. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude après tout. Dev, ce n'est pas juste. J'ai toujours pris ton parti, ne dis pas le contraire. Et tu le sais très bien. D'accord, d'accord, je suis désolé. Tiens, d'ailleurs, si ta sœur te manque, tu vas pouvoir aller la voir si tu veux. Parce que Sonakshi est ici à Delhi. Sona? Comment le sais-tu? Dev, mon fils. Est-ce que tu l'as rencontré? J'ai reçu une invitation pour les Awards. J'ai appris que l'entrepreneur, Dr. Sonakshi Bosé, y sera également. Dis-moi, pourquoi n'ai-je pas aussi reçu cette invitation? Je dois partir. J'ai du travail. Golo, écoute, on jouera demain. Viens. Vicky? Si au moins tu vérifiais tes mails, tu aurais reçu une invitation pour cette remise de prix. Qu'est-ce que tu fais de tes journées au bureau, en fait? Dev, oublie tout ça, d'accord? Je voudrais te parler de l'entreprise commerciale. Tu ne peux pas te permettre de la fermer d'un seul coup comme ça. Vicky, j'ai fermé l'entreprise. Nous parlerons plus tard. J'y vais. Vicky? Dev a fermé l'entreprise? Quand ça? Maman, on dirait que Dev a perdu la tête. Il a fermé cette entreprise. Votre start-up vaut aujourd'hui plus de 4 milliards de roupies. Que ressentez-vous, docteur? Vous savez, start-up veut dire nouveau départ. Et chaque nouveau départ commence par une nouvelle idée. Enfin, on parle de toute une histoire. Il y a plusieurs étapes. Parfois, l'histoire s'écrit toute seule. Et l'auteur réalise que ses pensées se sont retrouvées dans un livre. Mais ça n'a pas été le cas pour moi. Eh bien parce que j'ai écrit ma propre histoire et je sais où elle me mènera. Ma réussite est le résultat d'un travail acharné. Je remercie ma famille et mon équipe. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir un aussi grand prix? Franchement, je ne travaille pas pour des prix. Le plus important pour moi, c'est de pouvoir satisfaire tous mes clients. Lorsqu'un de mes patients
me fait savoir que mes œuvres ont changé sa vie, ça me rend heureuse. Ce prix, je le dois à tous ceux qui ont cru en moi, en mes compétences. Qu'ils l'aient fait volontairement ou involontairement, je tiens vraiment à tous les remercier. Madame, comment trouvez-vous toute cette organisation ? Dev Dixit ? Monsieur, qu'est-ce qui vous amène ici ? Les temps changent et les gens aussi. Depuis 7 ans, je n'avais pas remis les pieds ici. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je suis là. Les récompenses sont si importantes pour vous ? Qu'est-ce qu'on peut bien offrir à quelqu'un qui possède déjà tout ? Je suis l'un des plus grands hommes d'affaires de ce pays. Je n'ai pas besoin de prix pour prouver quoi que ce soit. Ce prix est destiné à ceux qui sont encore à leur début et veulent évoluer dans la vie. Si nous ne soutenons pas ces gens, alors comment seront-ils motivés ? Comment vous sentez-vous à présent ? Très bien, ça va. Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous avez tous apprécié cette journée. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons annoncer les prix de cette année. Mesdames et messieurs, le premier prix de la soirée est pour le plus haut ratio de profit. Ce prix revient à Monsieur Shankar. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la dernière catégorie, le prix de l'homme d'affaires de l'année. Et le nom du super gagnant méritant est le docteur Sonakshi Bose. Docteur Bose, dites quelques mots. Pourquoi tu t'agites ? Tu as un problème ? Mère, j'ai vu sur internet que Sona a eu le prix de femme d'affaires de l'année. C'est sur quelle chaîne ? Oui ! Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour ce prix. Waouh ! Elle est si belle, n'est-ce pas ? Je tiens à remercier tout le monde à cette occasion. En forme ? Mère, elle est magnifique. Je veux remercier mes parents de m'avoir soutenue autant. Qu'est-ce qui est génial ? C'est écoute, ce qui fait ma force. Pas besoin d'être si heureuse. Est-ce que tu as oublié, hein ? Tu n'as plus aucun lien avec cette famille bengali. Tu te souviens de ta promesse ? Mère, je n'ai pas oublié. Je ne lui ai pas parlé depuis tant d'années. C'était juste pour votre respect. Mais ça ne veut pas dire que je l'ai forcément oubliée. Et mon amour pour elle n'a jamais disparu. En fait, mon amour pour elle a encore augmenté durant ces 7 ans. Cela prouve que quand vous vous faites confiance, vous n'avez pas besoin d'écouter quelqu'un d'autre. Il y a quelque temps, quelqu'un disait que ce prix est destiné aux novices qui essaient de se faire un nom. Mais j'ai commencé cette tentative il y a 7 ans. J'avais cette motivation et ce courage de faire des progrès il y a 7 ans. J'avais déjà gagné à l'époque. Ma victoire vient d'avoir un nom aujourd'hui. La personne qui m'a motivée m'a fait réaliser que je ne suis inférieure à personne. Et cette personne, c'est mon ex-mari. Grâce à lui, aujourd'hui, devant vous tous. Et devant lui, je gagne ce prix. Fantastique.
votre discours me laisse sans voix. D'habitude, quand les gens se séparent, ils ne veulent même pas voir l'autre. Il y a tellement de maturité dans la relation que vous entretenez. Vous vous motivez l'un l'autre jusqu'à ce jour. Alors, j'aimerais vous demander, Monsieur Dev Dixit, de monter sur scène et de remettre ce prix au docteur Bosé. Je ne peux pas rester avec toi. Je ne peux pas te donner une dernière chance. C'est ma faute si je suis tombée amoureux de toi. Je n'aurais jamais dû t'épouser. Va-t'en d'ici. Je sais que tu ne m'aimes pas, Sana. C'est mon argent que tu aimes. Je vais le signer et ça te prouvera que je ne t'ai pas épousée pour ton argent. Dieu merci, tu ne peux pas devenir mère, sinon tu n'aurais jamais pu devenir une bonne mère. L'amour et la confiance dont tu te moques, tu ne connaîtras plus jamais cet amour et cette confiance. Un homme comme toi devrait rester tout seul, parce que tu n'es qu'un loser. Mais où trouveras-tu l'argent? Tu penses que c'est avec ton travail de nutritionniste que tu vas pouvoir rembourser le prêt? Tu n'auras jamais de fortune, Sana. Venez, s'il vous plaît. Mère ! Ça suffit ! Vous voulez bien arrêter votre cinéma une minute ? Vicky ! Je savais que ça arriverait. Quoi ? Le seigneur Rama a atteint la déesse Sita. Et quoi ? Ne me regarde pas, regarde là-bas ! Oh mon Dieu! Dev avec cette femme misérable! Que va-t-il se passer? De quoi parles-tu? C'est juste une rencontre lors d'une cérémonie. Quoi d'autre? Vicky, tu vois, ils se rencontrent quand même après 7 ans. Et s'ils se rencontrent encore et encore et encore, hein? Ton avenir va être en danger. Qu'est-ce que tu vas devenir? Non. Ça n'arrivera jamais. Voilà un petit peu de prasad pour nous tous. Tenez. Ishwari, quel temple as-tu visité? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Pourquoi Radha, qu'est-ce qu'il y a? Dev et Sona sont à la télé. Sonakshi. C'est de ce désastre que je parle. Elle est réapparue dans la vie de Dev. La fille du pauvre homme est étonnée de savoir à quel point elle est effrontée. Je pense que Mademoiselle Sonakshi Bosé ne mérite pas ce prix. Qu'est-ce que cet homme raconte? Comment ose-t-il dire que Sona ne mérite pas ce prix? Bijoy, détends-toi. Tous les deux se rencontrent dans le cadre du travail, non? Asha, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? S'il te plaît, appelle-la. Dis-lui de rentrer tout de suite. Je ne fais pas confiance aux gens comme Dev Dixit. Et ensuite? Dois-je enfermer Sona dans une pièce? Ne doit-elle pas sortir par peur de rencontrer son ex-mari?
Mais Joy, ses réalisations et ses luttes ne sont pas importantes? Cet homme lui enlèvera tout encore une fois? Je ne laisserai jamais une telle chose arriver. D'accord, Asha. Fais ce que tu veux. Mais Sona se repentira de cette décision. Regarde! Oh mon Dieu. Que tout se passe bien avec Sona, protégez-la. Mesdames, messieurs, je vais vous dire pourquoi elle ne mérite pas ce prix. Monte le son, s'il te plaît. Quand quelqu'un fait quelque chose, alors automatiquement, une arrogance créative se manifeste en elle. Elle n'est même pas prête à accepter le mérite de son succès. J'ai donc l'impression que Mademoiselle Bosé ne mérite pas ce prix. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Selon moi, elle ne mérite vraiment pas ce prix. Alors, si cette fédération veut donner ce prix à quelqu'un, alors celui qui le mérite n'est autre que... moi. Ça c'est bien, bravo Dev. Il a giflé cette fille rusée devant tout le monde. Ne me regarde pas comme ça. La fille de ce... du pauvre homme connaît très bien celle-là. Elle entrera à nouveau dans la vie de Dev et fera des ravages dans nos vies. Ishwari, Dev a déjà fermé une société. Si cette fille lui jette encore un sort, alors il va vraiment faire faillite. Mais ne dis pas une chose pareille. Je ne laisserai pas cela arriver. J'aiderai Dev à gérer cette entreprise. Pourquoi es-tu si pessimiste? Ils se sont juste rencontrés dans le cadre d'une remise de prix. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mon fils a travaillé jour et nuit et maintenant il le vire de la compagnie après 7 ans. Ton fils reçoit un salaire de Dev pour son travail. Il ne lui fait aucune faveur. Baldev Radharani a raison. Pendant ces 7 dernières années, Vicky s'est occupée du bureau et Radharani de cette maison. Dev ne pourra pas faire autrement. Personne ne doit s'inquiéter à ce sujet. Je vais me reposer un peu. C'est elle qui vient de dire que s'il y a quelqu'un qui l'a motivé pour cette réussite, ce n'est autre que moi, en fait. Alors, en toute logique, je pense que ce prix me revient. Merci beaucoup. Ce prix est vraiment très spécial pour moi. Merci. Ishwari? Mon frère, il se fait tard et je suis très fatiguée. Je me sens vraiment épuisée. Durant 7 ans, tu as dormi, alors pourquoi tu es fatiguée? Mon frère, mais qu'est-ce que tu dis? J'ai essayé de parler de toutes les façons pendant toutes ces années, mais tu as fait vœu de silence. Dis-moi donc, comment un jeune frère peut-il parler à sa sœur? Baldev, quand il n'y a plus rien à dire, alors... On ne parle pas, pardon? Alors il n'y a plus rien à dire. Tu n'as pas vu ce que Dev a fait? Il a révélé notre secret de famille au monde entier. Il en a fait un spectacle. Alors tu ne diras plus rien. Est-ce que tu ne veux pas parler à Dev? Mon fils. Mon fils n'était pas comme ça. Ma sœur non plus. Tu l'as enfermé depuis 7 ans. Tu l'étouffes. Tu l'as emprisonné dans cette pièce fermée, alors qu'il n'y a pas de garde. Pourquoi fais-tu ça, Ishwari? Pourquoi as-tu rompu les liens avec nous? Pourquoi as-tu laissé ta maison sombrer? Dis-moi, Ishwari, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Donc tu n'es plus la mère de Dev? Je suis la mère de Dev, mon frère. Je n'ai pas rompu les liens, mais lui-ci. Sonakshi... Ma famille s'est effondrée à cause d'elle. Tout ça, c'est à cause d'elle. Cette nuit-là, Dev, mon fils, prends soin de toi.
Pourquoi te fais-tu tant de mal à cause d'elle? Tu as déjà tout essayé. Tu lui as dit de ne pas le faire, mais elle n'a pas compris. Ce n'est pas de ta faute, mon chéri. Je le sais bien. Je sais que ce n'est pas de ma faute. Mais c'est sûrement de la faute de quelqu'un. Parce que ma vie est complètement brisée. J'avais tout jusqu'à hier. J'étais tellement heureux. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien du tout. Tu sais quoi ? C'est à cause de toi. À cause de toi et Sonakshi. Je vous aimais toutes les deux. Plus que tout au monde. Je te faisais confiance, maman. Et qu'est-ce que tu as fait ? Rien du tout. Dev, qu'est-ce que tu dis, mon fils ? J'ai toujours voulu ton bonheur. Tu m'as fait du bien ? Tu penses que tu m'as fait du bien en faisant ces documents prénuptiaux ? Tu as dû obtenir mes signatures par tromperie. Mais Dev, quoi que j'ai fait, je l'ai fait pour ma famille. Et moi, alors, ce que j'ai fait ? Je n'ai pris qu'une seule décision pour moi. Celle de mon mariage avec Sonakshi. Mais tu avais déjà pris ta décision avant moi. Tu avais fait le document prénuptial avant moi. Tu m'as appris mes devoirs, hein, n'est-ce pas ? Mais tu ne m'as jamais demandé ce que je désire. Et Sonakshi, je lui avais tout dit honnêtement. Et pourtant, elle m'a aussi tout reproché, comme si tout était de ma faute. J'ai respecté chaque relation. Celle de ma tante, celle de mon frère, celle de mes sœurs, celle de ma mère aussi, celle de ma femme. Je ne pouvais pas me soucier de moi. Je n'arrêtais pas de penser à tout le monde. J'ai aimé tout le monde. J'ai pensé que toi aussi tu m'aimais. Quand mon tour viendrait d'être heureux, tu penserais à moi et que tu ne me quitterais jamais. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu t'es éloigné. Tu m'as laissé seul. Non, maman. Vous attendiez, toutes les deux de moi, que je choisisse l'une d'entre vous. Comment est-ce qu'un homme peut-il choisir entre sa mère et sa femme ? Je ne pouvais pas choisir. Mais toi, tu l'as fait. Ton souhait a été exaucé. Je suis resté tout seul. Tout seul, en fin de compte. Non, maman. Je suis tellement brisé que je n'en peux plus. Tu m'avais dit que si j'ai mal, tu prendrais soin de moi, tu te souviens ? Oublie ça. Tu ne t'occuperas plus de moi. Maintenant, je vais prendre soin de moi. Et je ne pourrai plus dormir avec une caresse de ta main. Je ne trouverai plus la paix en dormant sur tes genoux. Quelque chose a changé, maman. Ton Dev a changé. Moi, j'ai perdu mon amour. Mais toi, tu as perdu ton petit Dev. Tu viens de perdre ton fils aujourd'hui. Je ne me laisserai pas abattre.